Bien-aimé, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler à nouveau de la bénédiction. Et dans Deutéronome chapitre 28, du verset 1 au verset 14, Dieu nous parle de tout ce qui suit l'obéissance et donne la bénédiction par la suite. J'ai détaillé pendant quelques jours tous ces détails ou ces facteurs avec vous. Je voudrais ici donc vous rappeler Proverbe chapitre 10, verset 22. Proverbe 10, verset 22. Dans la Proverbe 10, verset 22, la Bible dit « La bénédiction de l'Éternel enrichit et n'apporte pas de larmes. » Ça veut dire qu'il y a une richesse que je reçois et vous devez comprendre, voyez un peu ça comme une pieuvre avec des tentacules. Ça veut dire que j'ai droit à mes terrains, mes maisons, mes entreprises, ok, bonheur dans mon mariage, mes enfants heureux, bien nourris, dans les grandes écoles. Ça veut dire que je suis au-dessus, je suis dans un pays, je suis au-dessus, je fais partie des élites de ce pays. Si tu ne vois pas ça, tu ne pourras pas avoir. Et pas de l'âme, genre, oh, je reste, j'ai perdu, tu te maries, tu perds, tu accouches, l'enfant meurt, tu fais ceci, ça disparaît. Quand vous n'intégrez pas, vous allez vous retrouver en train de douter et c'est là que le voleur va venir prendre. La Bible dit dans Jean chapitre 10 que le diable vient pour voler. Jean 10:10. L'ennemi vient pour voler, pour tuer et pour détruire. Et quand il vient pour prendre, tu peux croire à un moment que tu as quelque chose. Après tu te dis, ah peut-être pas. Le petit moment de doute là, c'est là qu'il va entrer, clop, il va prendre. Donc, resserrez dans votre esprit que je mérite des voitures, je mérite des maisons, je mérite ceci, je mérite cela. Prenez un papier, vous citez ce que vous méritez. Et ce sera votre méditation, ce sera votre prophétie, ce que vous allez parler sur votre vie. Ok? Je vous sors de tout manque de confiance en soi. Je vous sors de tout esprit de pauvreté. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi.